toi qui as fait que nous sommes ce que nous sommes. En ce moment, nous implorons ta bonté et ta bénédiction sur tous ces instruments qui sont offerts à ta population. Nous savons qu'à travers l'éducation, à travers la santé, nous avons des grands piliers de notre vie. Que ceux qui ont offert ces kits de l'éducation et de la santé soient bénis. Que ceux qui vont utiliser ces instruments soient aussi bénis, parce qu'à travers eux, nous voulons demander que ta main les conduise pour bien éduquer les enfants et aussi soigner les personnes qui seront malades. Nous te demandons ces bénédictions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Votre présence en cette occasion prometteuse est pour nous et pour nos sous-divisions un privilège et un grand honneur. La tige de grès que vous donnez aujourd'hui à nos élèves, c'est un symbole de la charité, des bonheurs, de la victoire, de la chance dans notre société traditionnelle. Nous sommes très ravis, très fiers, très contents de vous remercier et nous sommes convaincus que votre passage est pour nous une solution aux multiples difficultés que traversent nos sous-divisions. Depuis leur création, elles n'ont jamais eu de bureau administratif propre et présentable. La chanson de Emily et LP n'a jamais cessé dans ces territoires. Et il nous est difficile de faire une correspondance rapide, faute de membres de l'équipe informatique idoine. Ainsi, nous sollicitons votre concours. Que vivent les élèves congolais des sentiments de satisfaction et de consolation pour la dotation de ces matériels, des équipements, l'équipe informatique dans l'institut sanitaire de trois zones de santé, je cite Kalambay, Mulumba et Nanjika. Cette acquisition vient contribuer à l'amélioration des prestations des services de santé dans nos bureaux centraux, dans nos hôpitaux et dans les centres de santé des postes. Nous remercions le directeur général adjoint de la maison Huawei pour son appui en matériel et équipement et kit informatique. Nous ne cessons jamais de remercier l'ASPER de Louvre, son président du conseil, le docteur Pinon Mitterrand, pour le partenariat continu avec la maison dans les soucis de développer nos établissements de soins au territoire de l'Antarctique. Nous vous disons et nous vous remercions. C'est pour nous un réel plaisir de revenir en Antarctique après la remise des équipements le 8 juillet 2023. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter du devoir d'exprimer toute ma reconnaissance au chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant sur l'extension des programmes tels que la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et le programme de développement du centre de santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour soutenir les actions du gouvernement en matière de santé et assurer la continuité des services offerts à la population que LMK SBL, ONG Lukonku et Huawei Technologies RDC ont uni leurs efforts pour apporter une contribution à travers
du matériel médical et informatique. La cérémonie de remise de matériel médical et informatique de ce jour est destinée aux 30 centres de santé et aux 3 bureaux de santé du territoire de Gamache. Le matériel médical que va bénéficier les 30 centres de santé comprend 30 kits constitués chacun de 2 stéthoscopes, 2 stéthoscopes optétricales, 2 bassins réinformes, 1 bocal inoxydable, 1 boîte d'apportement, 2 boîtes d'accouchement. Inspectrum vaginal, 1 tensiomètre médical et 1 table d'examen et 1 table d'accouchement. L'activité que nous organisons aujourd'hui porte sur le renforcement technique des structures de santé dans le territoire de Gamache, en particulier dans la province de Lomami en général, afin que l'offre de services de santé soit de qualité. Excusez-moi, quant au matériel informatique, il est constitué de 15 ordinateurs portables et 15 imprimantes. Les 3 hôpitaux généraux de référence bénéficient chacune de 3 ordinateurs portables et 3 imprimantes. Pour leur part, les 3 bureaux de zone de santé recevront chacun 2 ordinateurs portables et 2 imprimantes. Nous sommes convaincus qu'avec le matériel informatique que nous remettons aujourd'hui, les centres de santé et les bureaux de nos zones de santé seront mieux outillés pour continuer leur travail et pour bien gérer le flux d'informations sanitaires. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, le geste de ce jour est une action parmi les efforts assez futurs dans le cadre de la consolidation du partenariat entre l'ONG Lukungu et Huawei Technology TRC-ORBC. La présence de M. Owen, DGA de cette entreprise, témoigne de l'importance de ce partenariat existant entre nos deux structures. C'est ainsi l'occasion de remercier M. Owen et Huawei Technology RDC pour leur engagement tout au long de la préparation du projet jusqu'à son financement. Comme vous pouvez le constater, ce projet est financé par Huawei à hauteur de 35 000 $ pour le matériel médical sans compter le matériel informatique. Permettez-moi de remercier au passage les autorités provinciales et territoriales qui ont bien voulu rendre cette cérémonie possible. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre étroite collaboration avec les autorités locales et les acteurs sociaux. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les acteurs de santé qui travaillent sans relâche pour le bien de la population. Vive la RDC, vive la province de la Lomami, vive le partenariat de Huawei Technology RDC et l'ONG Lukungu. Je vous remercie pour cette présentation. Votre Excellence, Monsieur le Gouverneur, Votre Excellence, Monsieur le Chef des Maisons Civiles, Président, honorables députés et ministres provinciaux, chefs d'unités et qualités respectives, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers les dignitaires présents et de saluer chaleureusement l'ensemble de nos invités.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour l'appuyer en équipement aux zones de santé de Kandahjika dans les provinces de l'Omani. Vous le savez mieux que moi, la République démocratique du Congo fait face à de nombreux défis dans le secteur de la santé. Et nous sommes conscients de l'importance des zones de santé pour y répondre. Or, il est regrettable de constater que bon nombre de structures sanitaires souffrent d'un état de manque d'équipements médicaux, des médicaments essentiels et des réactifs des laboratoires. Ce qui a un impact direct sur la qualité des soins de santé et sur l'accès aux services médicaux pour les populations locales, en particulier les femmes, les jeunes filles et les enfants. C'est pourquoi Huawei s'est engagé à soutenir l'action portée par les autorités sanitaires et professionnelles de santé du pays, notamment au niveau des zones de santé de Kandahjika. En appui de l'organisation Le Congo, SPL, nous avons la chance de participer au projet d'appui en équipement médical pour les 30 centres de santé répartis dans les zones de santé de Kalambayi, Mulumba et Kandahjika. Cette initiative contribuera à améliorer les capacités des centres de santé et à garantir des soins de qualité pour les populations locales. Car nous croyons fermement qu'en fournissant ces équipements essentiels, nous contribuons à améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions de Kandahjika et répondre aux besoins médicaux urgents de la population. Mesdames et Messieurs, en améliorant l'accès aux soins de santé, nous espérons contribuer à réduire les distances que les patients doivent parcourir pour recevoir les traitements, en particulier les femmes, les jeunes filles et les enfants qui sont les plus vulnérables. De même, en renforçant les capacités médicales des centres de santé, nous portons les souhaits de contribuer à améliorer la qualité des soins et réduire les coûts de fonctionnement aux côtés des autorités sanitaires et des professionnels de santé du pays. En conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de Huawei envers la République démocratique du Congo. Je vous remercie, Doua Zakadila. En effet, je suis tout heureux de vous annoncer que l'activité de ce jour est cimentée sur la distribution officielle de kits et ou des équipements médicaux informatiques et d'apprentissage pédagogique à toutes les zones de santé et les écoles et toutes les subdivisions éducationnelles du territoire de la Najiba. Un geste du bénéfice de la Najiba que je venais de citer, venu apporter sa pierre à l'édifice, le développement de sa province, respectivement dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces actions posées par cette illustre personnalité de notre pays traduisent sa ferme volonté de contribuer avec si peu de moyens à l'encadrement et l'épanouissement des jeunes ainsi qu'à la garantie de soins de santé de qualité pour le manien et le manien. Ainsi, au nom des hommes de santé, des subdivisions bénéficiaires de ce lot important, de matériel scolaire, informatique et médicaux, au nom de toute la province de l'Omani, et au mien propre, permettez-moi de louer cet esprit d'initiative et de bienfaisance au service du développement, rarissime dans notre
l'environnement social. Permettez-moi donc de témoigner ma gratitude à l'endroit du Dr Bruno et d'inviter à travers ces mots les fils et les filles de l'Omami à s'unir et à lui emboîter les pas pour bâtir notre jeune province. Mes remerciements s'adressent également au directeur général adjoint de l'entreprise chinoise Huawei Technology, DRC-SARL, qui accompagne aujourd'hui notre bienfaiteur dans l'intervention de ses activités. Nous saluons les résultats de partenariat entre son entreprise et nous, Congo ASFEL. Mesdames et messieurs, chers participants, l'exécutif provincial que je dirige est d'avis que cet appui de taille va impérieusement contribuer à l'amélioration de conditions des vies des administrés en tant que bénéficiaires finaux d'une part, mais aussi à l'amélioration du cadre de travail et à la performance des enseignants et du personnel de la santé en tant qu'utilisateur de ces kits d'autre part. Ce partenaire de ces dons précieux pour ça c'est le kit médical, oui, pour l'utilisation dans les services de santé. Je remets Monsieur le ministre de la Santé pour remettre son coup de droit, c'est-à-dire au médecin chef des zones de santé, qui aussi à leur tour vont remettre aux utilisateurs finaux. Et comme le conseil venait d'être donné à l'occasion de notre discours, nous devons honorer les partenaires qui se battent nuit et jour pour l'amélioration des conditions de soins de santé de nos populations. Et c'est pour dire que les encouragements signifieraient pour les utilisateurs utiliser en bon père de famille ces kits médicaux utilisés aux fins pour lesquels ce kit a été donné. Nous venons de dire dans notre discours, on va mettre ce kit aux médecins et aux personnes responsables en fait. Et nous lui demandons que ce kit soit vraiment utilisé pour le besoin de la population dans les aires de santé concernées. Nous vous demandons. Nous remettons à un des représentants de l'EPST ici présent. Encore une fois, Monsieur le ministre, nous remettons cet outil informatique pour l'amélioration des conditions de travail dans les services de santé des différentes trois zones de santé de la Nanjika, qui en sont les bénéficiaires, pour qu'à votre tour vous remettiez aux utilisateurs, qui sont les médecins chefs de zone de santé et leurs services. Monsieur le sous-prévôt, au nom de toutes les autorités scolaires de Nandanjika et de toutes les écoles bénéficiaires, nous vous remettons symboliquement ces boîtes de prêt parce que le contenu a été décrit déjà et même les écoles bénéficiaires, le nombre d'écoles bénéficiaires a été également dévoilé à l'occasion des différents discours qui ont été ici tenus. Nous vous remettons symboliquement ces boîtes de prêt
pour que, à votre tour, vous remettiez aussi aux utilisateurs dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement de base et à l'amélioration des conditions de l'éducation dans les écoles de votre ressort. Merci. Nous disons sincèrement merci. Vision éducationnelle des territoires.